Vous êtes au château ducal de Cadillac, sur Garonne, qui est un château 17e. Et c'est un château donc de l'époque classique, mais qui a cette particularité d'avoir été la première prison pour femmes en France au 19e siècle. Ça a été un lieu d'enfermement pour les femmes au 19e et au 20e siècle. D'abord pour des femmes au 19e, à une époque où on a été jusqu'à 500 détenus dans le château, 14 dortoirs, des conditions d'existence tout à fait sordides et effrayantes. Le château a compté jusqu'à à peu près 10 000 détenus au 19e siècle. Et puis, à partir de la fin du 19e et sur la première moitié du 20e siècle, le château de Cadillac a été un lieu de détention pour jeunes filles, mineures, dans des conditions de vie tout à fait difficiles aussi, mais sur des nombres de détenus plus limités qu'au 19e siècle. Alors, en termes d'exposition, ça fait plusieurs années qu'on propose une grande exposition chaque été ou sur la haute saison, entre avril et novembre, sur une période un peu large. On a eu le plaisir d'accueillir les costumes de l'Opéra de Bordeaux il y a 2 ans, pendant l'été. L'année dernière, l'exposition de Julien Salot et du Musée de la Chasse et de la Nature sur les natures sauvages. Et cette année, donc, l'exposition de Bettina Rhin sur les détenus, dont de la même manière que pour Julien Salot l'année dernière, j'espère qu'on pourra garder une trace et maintenir prisonnière, si on peut dire, du château, une des détenues, pour garder une trace de cette exposition et continuer à faire écho de ce passé du château-prison pour femmes à Cadillac. Bettina Rhin a rencontré il y a quelques années le président du Centre des Monuments Nationaux, Philippe Bellaval, et ils ont convenu de mettre en place une exposition qui puisse circuler dans des monuments nationaux. Et Bettina Rhin avait à cœur de présenter la série de détenus qu'elle avait effectuée dans 4 lieux de détention en France en 2014 et qui n'avait jamais été présentée jusqu'alors. Le partenariat avec les Monuments Nationaux a permis la production de cette exposition sur cette série donc inédite. Bettina Rhin a travaillé sur à peu près 70 portraits. On en présente une cinquantaine au château de Cadillac et l'exposition a été montée de telle sorte qu'elle puisse circuler entre différents sites. Elle a d'abord été présentée au château de Vincennes, à Paris, enfin en région parisienne, qui est une prison historique, au printemps 2018. Et puis elle est présentée ici au château de Cadillac jusqu'au 11 novembre. Et elle fait écho de façon particulièrement forte et saisissante avec le passé carcéral de ce château. Et puis c'est évidemment de donner à voir une œuvre d'art contemporaine ou une série de photographies contemporaines par Bettina Rhin, de donner à voir ses 50 portraits, et de faire œuvre utile, je pense, avec Bettina Rhin à travers ses portraits, pour donner à voir l'humanité de ses détenus, la féminité de ses portraits et de ces femmes qui, pour être détenues, n'en sont pas moins femmes, et de redonner de la dignité humaine et féminine à ces personnes qui sont aujourd'hui incarcérées ou qui l'étaient en 2014. Ensuite, on a évidemment d'autres projets sur les années qui viennent et sur les saisons qui viennent. Un gros projet l'année prochaine avec le château de Versailles, sur des collections du château de Versailles installées à Cadillac de façon assez inédite, qui amènera sans doute à se pencher plutôt sur le passé et l'histoire de Henri de Navarre et d'Henri IV, et le lien complexe entre le duc d'Épernon qui a voulu ce château, qui l'a construit au début du XVIIe, et puis ce roi dont l'histoire nous a donné une légende, qui est Henri IV, à travers le bâtiment du château de Cadillac.